Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing calendrier de l'Avent de la boutique des chanimaux. Au bonheur des chanimaux, je vous remettrai le lien en barre de description de la boutique. Cette année, ils avaient fait des précommandes pour avoir un calendrier de l'Avent. Et donc, pour avoir 24 aimants de leur boutique. Donc moi, j'ai craqué directement. En plus, bonne action, ça permet de faire des dons à l'association qui s'occupe des chats errants autour de Nîmes. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing et je vais ouvrir, du coup vu qu'on est le 2 décembre, je vais ouvrir les deux premiers jours. Et voilà, je vais vous faire des petites vidéos comme ça où on va en ouvrir plusieurs d'affilée. Voilà, parce que je ne peux pas, avec mon travail, je ne peux pas tourner tous les jours, le travail, les enfants, etc. L'organisation ne va pas être comme ça. Donc en fait, là, tous les lundis, on va faire des petites ouvertures. Voilà, ça va être ça le petit programme pour ce mois de décembre. Donc aujourd'hui, ouverture du colis. Donc j'ai juste ouvert ici, ici et ici. Je n'ai pas regardé en dessous. Attention. Voilà, ah, c'est magnifique. Donc, on a un beau petit papier. Joyeux Noël, un mois de fête et de surprises commence. Vous découvrirez tout au long de ce mois des modèles exclusifs sur les animaux, l'hiver et Noël bien sûr. Je vous remercie de la confiance que vous me portez et je vous souhaite une excellente découverte en espérant que le contenu vous émerveillera autant que je peux l'être grâce à vous. Que l'ouverture soit quotidienne, ou que le craquage se fasse plus tôt, merci de ne pas poster de photos des modèles avant le matin du jour J par respect pour les autres acheteurs. La conception de ce calendrier est une première pour moi. J'attends donc impatiemment vos retours et vos conseils dans le but de la m'améliorer pour l'année prochaine. Passez de très joyeuses fêtes. Donc, aujourd'hui, on est, quand vous verrez, le 2 décembre. Je vous filme un petit peu en avance, hein, comme d'habitude. Donc du coup je vais ouvrir le numéro 1 et le numéro 2, donc vous ne serez pas spoilé du reste. Vous voyez comment c'est fait, c'est des petits individuels et c'est dans l'ordre, donc à vous de les préparer dans le désordre si vous le souhaitez. Mais là du coup on va ouvrir les deux premiers paquets. Donc déjà superbement bien présenté. Alors j'ai trop hâte. Donc on va ouvrir le numéro 1. Hop, attention. Waouh, regardez-moi ce petit raton laveur avec ce petit bonhomme de neige. Magnifique. Donc c'est bien un Coverminder ou ni. Needleminder, pardon. Donc voici le numéro 1 et je vous montre le numéro 2. J'espère que cette petite vidéo tous les lundis, alors moi je peux pas vous faire tous les jours, hein, mais tous les lundis vous plaira. Et le numéro 2, waouh! Regardez-moi ce cerf. J'adore le thème hiver plus que le thème Noël. Mais pour l'instant, je suis gâtée. J'adore. Voilà, donc voici pour les deux premiers jours. Voilà. Et je pense que je vous mettrai tous les lundis. Voilà. Les petites ouvertures. Donc il y aura beaucoup d'ouvertures d'un coup. À moins que je vous mette tous les deux jours, je les filme en avance, mais je sais pas, j'ai pas envie de trop me spoiler non plus. Trop en avance. Donc, voilà. Voilà pour ce magnifique calendrier de l'Avent qui a l'air vraiment top du top. Donc, il n'y a pas de souci, je reprendrai l'année prochaine, ça c'est sûr. Voilà, déjà je suis comblée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hâte de voir la suite, je ne sais pas vous. Donc rendez-vous lundi prochain pour voir la suite des petites ouvertures de colis. Moi je vous fais en attendant
Plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite de ce calendrier. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut tout le monde!